Juno, donc voilà, participant au sein du programme Starter de Global Invest. Donc Juno, c'est quelqu'un qui a suivi notre programme d'accompagnement, dont je suis très fier aujourd'hui parce qu'il a eu des résultats vraiment remarquables. Donc je vais laisser la place à Juno pour se présenter. Donc Juno, voilà, est-ce que tu peux nous juste nous dire voilà qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et surtout ben, pourquoi déjà? Ça, c'est très important parce que vous savez très bien que pourquoi c'est très important par rapport à nos valeurs, par rapport à Global Investisseur. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es également, pourquoi tu as eu l'idée de vouloir investir en immobilier, pourquoi tu es passé à l'action en fait sur ce plan-là? Ouais, bonjour, je te remercie pour cette question, Florian. Je m'appelle Juno Titieux, je suis électromécanicien. Ça fait à peine 12 ans que j'ai dans le métier. Et on m'a dit que le déclic, ça date de janvier 2020. Ouais. Lorsque j'étais en vacances au Cameroun, j'ai eu à voir les vidéos de Florian sur YouTube. J'ai vu, il était dans une plage, il parlait de l'immobilier. Ben, c'est vrai que bien avant ça, je regardais les vidéos mais sur Facebook, mais ça ne me disait rien. Ben, vu que je mettais la vie dans l'investissement, au niveau des poules, ben, aussi, après ça, j'ai vu les vidéos de Florian, j'ai regardé. Lorsque j'ai vu ces vidéos, j'ai dit que oh, je vais gérer ça arriver au Canada. Bon, quand il s'est arrivé au Canada, 2 semaines avant, 1 semaine avant le confinement, pendant le confinement, il a dit, ben voilà le confinement, il fait à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi pas maintenant gérer avec Florian et il me dit comment ça se passe. Je suis allé dans ton start-up là, j'ai vu comment tu expliquais comment gérer l'immobilier. Il a dit, OK. C'était vraiment intéressant, les présentations, et ça m'a plu. J'ai même pas eu à réfléchir parce que j'ai dit, s'il fait ça, ça veut dire qu'il s'y connaît depuis. Donc, et en plus, qu'il ne risque rien à rien. Quand tu veux faire quelque chose et que tu le sens vraiment, tu te lances. Du coup, on a eu à gérer les formalités administratives et financières. Là, c'était vite fait. Après, on a commencé la formation. Et pendant la formation, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris parce que déjà, je ne lis pas beaucoup. J'aime plus écouter. Quand j'écoute, je mémorise rapidement. Comme moi, Et on est du pareil coup, à ce point-là, sur ce point-là. voilà. Et en plus, mais tu m'as, ce que j'ai vraiment appris, c'est au niveau des livres. Des milliardaires qui ont eu à écrire des livres là. Donc, lorsque j'ai eu à écouter ces livres là, et par rapport à ce que Florent me disait, tu vois, ça rimait là, donc c'était exactement ça, tu vois. Il y avait même pas à réfléchir, tu vois. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux t'investir, il y a des sacrifices à faire. C'est pas que tu vas rester sur ton oreiller, tu vas dormir, non, 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 non. Tu dois te lancer direct là. Et du coup, pendant la formation, je ne savais pas comment ça se passait, tu vois. C'était ma première fois. Et c'est vrai qu'on m'a dit, tu veux bien le faire, mais pendant la formation, il y avait un peu de stress là, tu vois. Il y avait un peu de peur. Mais lorsque je m'étais donné peut-être 3 mois pour acheter mon bien, le temps de me former, parce que je ne voulais pas acheter un bien direct. Je voulais d'abord me former concrètement, dis parce que bien investissement, je voulais faire quelque chose à long terme, ce n'était pas quelque chose de court terme. Parce que déjà, la première des choses, je voulais avoir ma liberté financière. Liberté financière, parce que c'est vrai que j'aime mon travail, mais à un moment donné, lorsqu'on a des charges, tu vois, lorsqu'on a des charges, la famille, qu'on ne veut pas faire comme ses parents, on veut laisser léguer peut-être un grand patrimoine. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler, là. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler pour avoir, on va dire, de la mise de fonds pour acheter des biens. Parce que c'est vrai qu'on dit, on achète les biens à 0 francs, mais
Il faut travailler là. Il faut Clairement. travailler. Donc, c'est ça. Clairement, clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré par rapport au programme? C'est-à-dire, c'est que je sais que toi, tu as suivi le programme Starter. Donc, le programme Starter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme qui, voilà, qui aide en fait à faire sa première acquisition dans les 6 mois. Donc, c'est ça l'objectif. Mais comme on le dit des fois, nous, l'objectif, c'est de promettre moins, mais délivrer plus. Ça, je pense que tu le sais, Juno, c'est que nous, voilà, on dit que voilà, les participants, ils vont sur un programme de 6 mois, mais. Et moi, c'est ma promesse, c'est notre promesse, et c'est vraiment une valeur qu'on tient, à laquelle on tient vraiment. C'est de dire, OK, on promet sur 6 mois, mais l'objectif, c'est de promettre aux participants que, mais en fait, ces 6 mois-là, OK, tu vas faire ta première acquisition, mais derrière, tu vas en tirer, pardon, beaucoup plus que juste une acquisition. Qu'est-ce que tu en as tiré au-delà de l'acquisition? Bien évidemment, tu vas nous décrire un peu ce que tu as eu en termes de résultats, en termes d'acquisition immobilière. Mais au-delà de cette acquisition, en fait, quelles sont les valeurs que tu as, enfin, les stratégies, même en termes de valeurs, de mindset, peu importe, mais qu'est-ce que tu en as tiré en plus que de l'acquisition? Et après, on va justement parler de ton acquisition dans un second temps. Parce que moi, je pense que l'acquisition, c'est one step, c'est-à-dire c'est vraiment une étape, c'est le premier pas. Mais ce qui compte pour nous, c'est de vraiment te dire, OK, tu fais ton acquisition, mais qu'est-ce que tu vas en tirer en sortant de ce programme-là? En termes de sur le moyen, long terme, voire même après. Parce que comme tu le sais, l'idée, c'est que les stratégies qu'on partage, ce n'est pas juste pour toi, mais c'est pour la suite, comme tu le sais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu en as tiré par rapport à ça? Oui, c'est vrai que on m'a dit que par rapport à ce programme, j'ai beaucoup appris parce que je n'y connaissais vraiment pas. Déjà, pour acheter un bien, de prime abord, il faut savoir ta cote de crédit. Donc, des choses que je ne savais pas. Lorsque je l'ai su, j'ai dit, là maintenant, il faut travailler ta cote de crédit pour pouvoir acheter ton bien. Et après ça, dans le programme, j'ai aussi apprécié le courtier immobilier parce que il y avait des trucs que je savais pas qu'il m'a fait comprendre et par rapport aussi à mon approbation que j'avais eu de prime abord au départ ça ne m'arrangeait pas parce que je voulais quelque chose de grand et il m'a expliqué pour avoir quelque chose de grand il va falloir faire certains trucs pour pouvoir acquérir ce que tu veux. Il a dit ok je me donne 6 mois. Et après ça, j'ai eu à discuter avec Florian. Il m'a dit, mais pourquoi attendre 6 mois alors? Même s'il faut, tu veux quelque chose de grand, comment avoir ce qui est petit? Dans tous les cas, ce que tu auras, c'est ce que tu auras de grand, tu l'auras plus tard. Si tu suis la formation, les stratégies, tu l'auras certainement. Il a dit, OK, dans tous les cas, je me lance là, là, là. C'est la raison pour laquelle, après ça, direct, je me suis lancé dans la recherche. Et en période de confinement, c'était évident de faire les visites. Donc, obligé de gérer les visites virtuelles, de voir les différents paramètres, discuter avec l'agent immobilier, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup apprécié le travail là. Et avec ça aussi, j'ai beaucoup appris des stratégies pour comment visiter un truc, c'est qu'il faut regarder de majeur. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut regarder majeurs. Si c'est pas bon, les trucs majeurs là, tu n'achètes pas. Si tu n'as pas ton cash flow, tu n'achètes pas. Donc, tu ne dois pas acheter un truc qui ne sera pas rentable. Et en plus, quand c'est ton premier 27 ans. Clairement, tu peux pas Donc, acheter du juste coup, pour acheter, quoi. C'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, dans ma tête, je dois acheter quelque chose qui me sera rentable, pas que ça sera moi là, automatiquement. C'est vrai que sur ce Donc, point, tu étais vraiment très. Là, je le confirme, hein. Dino, c'est quelqu'un qui était très vigilant sur ce point-là. Je suis dire non. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, voilà, moi, je veux ça et ça. Ça sert à rien que ça, en fait. Donc, c'est un très bon point de vraiment rester rigide à ce niveau-là en termes de rentabilité, de KPI, tout ça. Donc, Et en plus, ce qui m'a plu aussi, c'est que lorsque j'ai regardé un bien, la première des choses, c'est la rentabilité. Donc, je ne réfléchissais même pas trop. J'ai eu à télécharger l'application de Uplay, là, tu vois, de à partir de YouTube. ça, tu regardes directement si c'est rentable, si tu vois, si ce n'est pas rentable, on passe au next, là. Si c'est rentable, là, on regarde maintenant qu'est-ce qu'il y a de majeur, qu'est-ce qu'il n'y a pas de majeur, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait comme rénovation.
Donc, c'est ça. Aussi un autre aspect que j'ai vraiment apprécié, le financement créatif. Parce que ça, c'est le niveau, ça, c'est le haut niveau, là. Exactement, ça c'est là, on se comprend, mais clairement, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport au financement créatif? Et Ouais, par qu'est-ce rapport. que et aussi, si tu te rappelles bien, Juno, qu'est-ce que je t'ai dit par rapport lorsqu'on a fait la première session? L'objectif de la première session, c'est que tu, en termes de financement créatif, que tu as, un, je vais pas dire un saut quantique, mais en tout cas, un gap par rapport à ce que tu as prévu en termes de liquidité, par rapport à ce que tu peux faire sur un an, on va dire. Ce que je t'ai dit par rapport au financement créatif, Juno, c'est que tu vas pouvoir générer ce que tu n'aurais jamais pu générer en l'espace d'un an d'épargne ou d'épargne classique, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, par rapport au financement créatif, on appelle du mot qu'on appelle le crédit. Parce que la majeure partie, quand ils entendent crédit, non, je ne veux pas être endetté, je ne veux pas être endetté, mais les riches, là, ils s'endettent pour devenir riches, là. Ce n'est pas Clairement. qu'ils vont, ils vont travailler peut-être 40 dollars l'heure pour avoir 100 000 dollars à l'année, là. Mais ce n'est pas ça. Et par rapport à des financements créatifs, j'ai compris à la base que ça base de ces marges de crédit-là qu'on peut investir pour pouvoir avoir des rentabilités, donc des biens avec ça. Donc, et les stratégies pour aller prendre des financements créatifs dans d'autres banques, là, au départ, par rapport à moi, ça ne marchait pas parce que je faisais avec sur place, là, au téléphone. Mais après ça, je suis allé à la banque directe le faire. Il dit, OK, je dépose un cash. Des cash déposés. Dernièrement, j'ai déposé un cash à Scotia. Ils m'ont donné 25 000. Donc, alors qu'au départ, j'avais fait la demande à Scotia en ligne. Ils m'avaient refusé carrément. Mais Mais quand j'ai... ça c'est nouveau ça du coup. C'est C'est récent, nouveau, c'est non? nouveau, Ah c'est oui, récent, c'est tout voilà, nouveau. tu vois. Ça C'est prend une nouvelle là, tu vois. Non, excellent, franchement, top. récent, là. Donc, des Ah, trucs. c'est top. Et si tu te mets chez toi, tu dis, OK, j'ai demandé, ça n'a pas marché. Tu dis, OK, l'année prochaine ou dans 6 mois. Moi, j'ai demandé, j'ai insisté, je suis allé en place, dans la succursale, j'ai demandé, on m'a donné là. Donc, 25 000 dollars, est-ce que tu vas travailler même un an, économiser 25 000 dollars, là, c'est pas évident, là. Ah, clairement, c'est pas évident. C'est C'est pas pas évident. évident. Donc, déjà, avec RBC, j'avais une marge de crédit de 25 000 là-bas, donc ça fait déjà 50 000 que j'ai comme ça là, frais, frais, tu vois. J'ai aussi demandé à CIBC, c'est en cours, donc c'est ça. C'est ça. Clairement. Non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et d'un point de vue du mindset, c'est-à-dire, quand je parle de mindset, c'est-à-dire de. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Et quand je parle du mindset, c'est la base de tout. C'est-à-dire comment briser certaines croyances limitantes, comment voir les choses en grand. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça va être, je pense, l'avant-dernière question avant de parler de tes résultats, bien évidemment. Mais d'un point de vue du mindset, quel a été le shift? C'est-à-dire comment est-ce que ton mindset a évolué avant, après? Et comment tu te vois en termes de qui tu es en fait par rapport à ce que tu. Qui tu es maintenant par rapport à ce que tu peux prétendre. Tu vois, c'est surtout ça, c'est-à-dire l'état d'esprit. Comment ton état d'esprit a évolué avant le programme et après le programme? Parce que c'est que, on ne va pas se mentir, on en a discuté bien évidemment en off, mais c'est Avant. qu'il y, 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 y a une certaine transformation d'un point de vue du mindset. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Avant le programme, on va dire que je voulais être investisseur, mais j'avais encore l'esprit frileux là, donc j'avais peur, tu vois. Et je vais dire où je vais prendre les fonds. Mais là, dans la formation, ce que j'ai appris, ça m'a fait dire, mais. Si je peux acheter un truc de 50 000, là, je peux le faire. Si je peux acheter un truc de 25 000, je peux le faire. Si je peux acheter un truc de 100 000, je peux le faire. Donc, actuellement, même mon père, lui, actuellement, il dit, mais toi, tu prends l'argent où, là, pour dire que tu veux investir, là? Tu prends l'argent où? Bien, j'ai dit, ben, laisse faire. Laisse faire, là. Attends les résultats, c'est ça? Attends seulement les résultats, tu vois? Donc, Clairement. actuellement, là, je suis dans un plan d'investisseur, donc. J'ai de l'argent là, tu vois, mais il faut maintenant chercher c'est quoi investir. Mais pour le moment, c'est l'investissement immobilier. Donc, j'ai fait mon acquisition.
dans 6 mois encore. Je suis en train de me préparer là. Donc, c'est que le mindset actuellement là, les dépenses futiles là que j'ai faites avant là, c'est fini. Donc, maintenant, je garde plus d'argent pour pouvoir faire comme mise de fonds. Prouver, bah, après ça, peut-être utiliser le financement créatif. Mais de prime abord, mon mindset, il a complètement changé. Complètement. Je pense maintenant, on va dire que je pense maintenant, si on convertit peut-être au franc CFA, je suis maintenant sur les 10 millions en montant, les 15, 20 millions, 50 millions. C'est ça. Donc, Et c'est ça, clairement, et c'est ça en fait le, c'est-à-dire ce juste une parenthèse par rapport à ce que Juna a dit, c'est ça en fait, c'est de prime abord, c'est-à-dire quel que soit en fait le background, les finances, etc. C'est-à-dire de prime abord, il faut se dire, OK, voilà mon objectif, mais nous, dans le cadre de ce programme-là, on se dit, voilà, ton objectif que tu as là, on va le multiplier par 1, 2, 3, 5, 6, voire même du 10. C'est vraiment ça en fait qu'on fait dans ce programme-là. Et franchement, Juno, et on a longuement échangé par rapport à ça. C'est l'une des personnes qui, moi, j'ai vu le changement, enfin, on a accompagné des centaines de personnes et c'est l'une des personnes auprès de laquelle j'ai vu vraiment un changement, mais radical. C'est-à-dire, entre le premier mois, on discutait et là, maintenant, je me dis, attends, mais Dino, là, il a changé quoi. Donc, clairement, c'est ça. Je veux insister par rapport à ça. C'est vraiment le mindset. C'est très important. Maintenant, par rapport à tes résultats, est-ce que tu veux nous. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Dino? Oui. C'est vrai que dans la formation, tu me disais, c'est bien de diversifier ses investissements, tu vois. Tu peux faire dans l'immobilier, tu peux faire dans d'autres choses. Donc, pendant la formation, vu que le mindset, il a pris un autre niveau, tu vois, je me suis investi vu que j'avais établi mes objectifs en 6 mois, qui ont été réalisés avant 6 mois, tu vois. Et après ça, vu que le mindset était déjà élevé là, je me suis investi dans la crypto-monnaie, je me suis investi dans la ferme, tu vois. Donc, c'est ça en fait. Donc, la crypto-monnaie, je ne savais pas le Bitcoin, je ne savais pas comment ça se passait là, tu vois. C'est à partir de la formation que j'ai dit, mais il y a d'autres investissements qu'on D'autres peut faire. leviers, Donc, du clairement. coup, pourquoi pas le faire aussi? Du coup, je me suis lancé aussi dans d'autres investissements. Un autre levier. Au départ, j'avais pas cette idée-là. Il a fallu que je fasse cette formation pour pouvoir comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc là, concrètement, ouais, en 6 mois, bah, on va dire même pas en 6 mois, en bas de 6 mois, parce que je sais que tu as explosé le record en termes de timing et c'est l'objectif de ce programme. En moins de 6 mois, on se dit, OK, l'acquisition, elle est faite. Donc tu as fait immobilier, la ferme agricole, c'est ça? Ouais. Ferme agricole, et en plus de ça, ben, les crypto-monnaies. Donc, clairement, c'est une très belle performance. Et du coup, en termes d'immobilier, bon, voilà, est-ce que tu peux juste nous décrire un peu comment ça s'est passé? Et aussi, le point que je souhaite, enfin, le point d'attention que je souhaite mettre en évidence, c'est quoi? C'est que ça n'a pas été facile. Tu le sais très bien, ça n'a pas été facile. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu, voilà, l'acquisition que tu as faite et aussi les difficultés que tu as eues? Tu vois, pour pas. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, OK, l'immobilier, c'est facile, OK, Dino, il a eu des résultats, et maintenant, aujourd'hui, les propriétaires, bon, tu vas nous dire de quoi. Mais moi, je veux que tu mettes également en évidence que ce n'est pas facile, mais pourquoi on a parlé du mindset avant, c'est de se dire que oui, c'est le mindset en fait qui va déterminer tes résultats. Et c'est le mindset qui va te permettre ben, de surmonter les difficultés que toi, auxquelles tu as fait face, en fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ça, Dino? Ouais, par rapport à mon expérience, au départ, je voulais des triplex, des quatreplex. J'ai eu la chance, j'ai vu un quatreplex. J'ai eu à faire la visite sur place. Il y avait des rénovations à faire. J'ai eu à payer l'inspection. On m'a montré des points majeurs à refaire. Et entre-temps, j'ai eu à discuter avec le propriétaire, mais. Au départ, il avait accepté qu'il devait faire les réparations. Mais après, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il ne pourrait pas le faire. Entre-temps, j'étais déjà avancé dans le processus pour l'acquisition. Mais après ça, je ne l'ai pas eu. Alors que c'était quelque chose de rentable par rapport au prix et par rapport aussi au cash flow. Donc, ce cash flow, je ne l'ai pas eu.
Et après ça, j'ai eu à chercher d'autres biens avec mes agents immobiliers. C'est vrai que ce n'était pas facile de trouver vraiment parce qu'à chaque fois qu'ils te présentent des offres, il faut automatiquement que tu regardes si tu as la rentabilité là. Si tu n'as pas la rentabilité, tu n'en prends pas les détails. Ils m'ont présenté des offres, même des offres. Ben, c'est une offre même qui passait même pas dans ma tête. Et c'est vraiment elle que j'ai acquis là. Parce que j'ai pas eu à faire la visite en face, c'est eux qui sont allés faire la visite. Et après ça, ils m'ont envoyé la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, tout était correct. L'essentiel était pour moi était d'avoir ma rentabilité. Vu qu'elle était faite, bah après ça, je suis allé dans les lieux. J'ai vu le bien. Le bien, c'était un bien qui était vieux parce qu'au départ, à la base, on avait dit c'est bien d'acheter les biens qui sont vieux, qui ont été rénovés. Parce qu'après ça, ça prend de la valeur. Donc, quand je l'ai vu, c'était un bien qui datait de plus de 100 ans, mais il avait été rénové en 2017. Presque complètement en fait. Complètement, il avait été rénové. Et quand je l'ai vu en face, là, j'ai dit waouh, j'étais vraiment chanceux d'avoir ce bien-là. En plus, ça passait même pas dans ma tête. Hein. Donc, au départ, on m'avait présenté cette offre-là. J'ai dit non, non, je ne veux pas ce genre-là. Mais quand j'ai vu la maison, quand j'ai vu les lumières, là, c'était correct. Et on m'a dit que sur ce duplex-là, je n'ai pas eu trop de problèmes, mais c'est plutôt sur le 4-plex que j'ai eu des soucis. Mais après ça, dans tous les cas, si ça n'a pas marché là-bas, dans tous les cas, on cherchera ailleurs et ça va marcher. J'ai cherché l'autre et ça a marché. Top. Ah, franchement, excellent, excellent. Franchement, moi, je suis là. Bon, là, maintenant, je vais parler un peu par rapport à Juno. Moi, ça, c'est une chose que moi, je suis très fier de Juno parce que malgré, et je sais que Juno, je pense c'est l'un des participants parce que bon, c'est pas que le seul. Il y a eu quand même pas mal de barrières par rapport à ces acquisitions et beaucoup, il y en a eu, hein, beaucoup auraient lâché l'affaire. J'aurais lâché l'affaire par rapport, surtout par rapport à. C'est quand tu arrives jusqu' quasiment au bout de l'acquisition et que finalement ça ne se fait pas, sachant que le projet est rentable et que là, à la dernière minute, on te dit que bon, écoute, ça va pas le faire. Il y en a, et moi, le premier, il y en a qui auraient lâché l'affaire, mais toi, tu as continué et. Voilà, c'est que ta persévérance a porté ses fruits. Et franchement, moi, je suis très honoré de t'avoir accompagné sur ce point-là. Je suis très fier et je pense que tu es vraiment l'un de nos meilleurs participants sur ce point-là, surtout en termes de persévérance. C'est ça que je dis, en termes de persévérance et de patience. Parce qu'il y en a qui auraient craqué directement en se disant, mais attendez, c'est quoi cette affaire-là, tu vois? Je pense qu'il y a eu les montagnes russes, c'est-à-dire, tu te dis, oh, OK, c'est bon, non, mais en fait, c'est non, etc., etc. Donc, clairement, je suis vraiment fier et c'est un plaisir pour moi. Et c'est vraiment ça. Et je le dis vraiment à cœur ouvert que vraiment, je suis content de ton résultat. Et moi, j'ai vu le changement en l'espace de 6 mois. Certes, ça a été 6 mois, mais c'est 6 mois, c'est comme dans ce genre d'environnement, en tout cas dans ce type de mindset que tu développes, 6 mois, ça vaut plusieurs années, clairement. Ben Et oui, ben oui. ça va valoir encore plusieurs années derrière, comme tu le sais. Parce que dans ta formation, lorsque tu parlais de il faut travailler par rapport à ton expérience que tu avais eu à faire, tu faisais des heures supplémentaires pour pouvoir monter ton entreprise, tu vois. Mais de mon côté, j'ai dit, mais quand tu veux réussir là, tu dois souffrir. Tu vois, c'est pas que Oui. tu vas rester chez toi, là, No tu pain, no vas. gain. C'est ça, no C'est pain, no ça, gain. tu vas souffrir. Quand j'écoute même les livres de Père riche, Père pauvre, ben là, il y a des trucs que tu dois travailler là. Lui, il a commencé à travailler, il a travaillé, il a dit, tu travailles, mais tu n'as pas de salaire. Tu vois? C'est Donc, ça. tu dois travailler, tu ne dois pas avoir les fric, tu vas faire les études, tout ça, mais lui, qui est de travail là. Mais, et à ce moment-là, j'ai dit, vu que je fais des heures supplémentaires, bon, en faisant des heures supplémentaires, il y a des impôts, tout ça, les taxes, mais pourquoi pas faire autre chose? Donc, du coup, j'ai eu à faire un deuxième job.
C'est ça qui m'a fait beaucoup, qui m'a fait avoir d'entrée. Je ne dors même plus là. Je dors à peine 4 heures, 5 heures par jour parce que je travaille, je travaille, je travaille. Et je voyais les retombées là. En trois mois, je me suis vu lever peut-être un 17 000 que j'ai eu enlevé en 3 mois, là, quelque chose ça passait même pas dans ma tête, tu vois. Ça passait pas dans la tête, là, du coup. Et ce qui me plaît, en fait, c'est que le travail paye. Non, Ne le reste travail. pas là, ne reste pas là à dormir chez toi, tu dis, OK, je vais pas faire ma grasse matinale, là. Non, 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 non. Il n'y a pas de grasse matinale, il n'y a Ça pas. Tu n'existe es jeune, pas. là. C'est maintenant que je dois travailler pour que tu prennes ta retraite tôt, là. Parce que toi, tu as déjà pris ta retraite, là. T'es autonome, donc. Retraite, mais tu sais, retraite, oui, mais tu sais, on travaille pour. On veut aider des personnes motivées comme toi, tu vois. Ouais, non, mais quand je parle de retraite, c'est pas que retraite que tu C'est un travailles plus, choix, c'est que bien la sûr. retraite dans le travail employé, Ah là. oui, Donc, employé, clairement, clairement. c'est ça, c'est ça, De c'est ça. toute façon, Donc, du ça, coup, c'est quelque chose qui va te. C'est. c'est ce mindset de. Parce que j'ai dit à mes amis, dans 6 ans, là, oublié, je travaille pour quelqu'un. Il me dit, mais t'es fou, toi, comment tu vas faire? J'ai dit, oui, dans 6 ans, je travaille parce que j'ai des objectifs dans la tête, là, je sais ce que moi je veux. Si vous voulez continuer à travailler, chercher les salaires de 30 dollars, 40, mais je suis déjà à plus de 30 dollars, mais ça ne m'intéresse même plus, là, parce que ça ne m'intéresse plus. Ce que moi je veux, c'est être libre financièrement d'ici maximum 6 ans et je le ferai. Donc, Ouais. avec toutes les stratégies que tu m'as données là, je te remercie là-dessus. Tu as Là, un c'est sûr que roadmap. je devrais la faire, c'est sûr et certain. Donc, c'est même pas à réfléchir. Je ne Ouais. doute même pas. Parce que déjà, maintenant, là, les objectifs de 2020 ont été établis. J'ai maintenant établi l'objectif de 2021. Nous sommes en 2020. Donc, j'attaque 2021 maintenant parce que le mindset l'est levé là. Donc, Ah oui, ah non, clairement, clairement, non, c'est ça. Ah et non. l'année prochaine, c'est 2 immeubles que je dois acheter au même moment là. Donc, il faut s'y mettre là. Donc, c'est ça. Ah non, moi, je suis. Non, franchement, je suis cher. Je suis cher. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui? Ça, c'est la dernière question, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui potentiellement se pose des questions pour investir, en tout cas pour passer à l'action? Je suis même pas en train de. C'est pas une promotion du programme, mais c'est par rapport à, en tout cas, quelqu'un qui se dit, OK, j'en veux plus. Je vais apprendre plus, mais je suis peut-être limite. Je me pose des questions, j'ai des freins par rapport à ce que j'ai envie d'accomplir, en fait. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là pour peut-être potentiellement. Ah, ce que je te demande d'avoir, c'est peut-être d'avoir ce côté un peu de coaching. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu diras à cette personne pour dire, écoute, là, ce n'est qu'une question de choix, c'est qu'une question de mindset. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là pour potentiellement s'ouvrir l'esprit pour dire, OK, je vais apprendre plus pour pouvoir atteindre mon objectif. Qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que déjà, depuis ma voix, quand j'ai commencé ma formation, j'ai eu à faire part de ça à mon ami avec qui je suis ici, ça fait 3 ans. Je le conseillais déjà, là, tu vois. Je lui disais, ben, nous sommes arrivés ici, on sort de très loin. Et c'est vrai de travailler, là, c'est vrai de travailler, d'avoir sa maison, tout ça, mais. C'est être esclave, tu vois. Et je veux pas que tu sois esclave parce que moi, avec ce que moi j'ai appris, d'ici quelques années, je serai libre financièrement, tu vois. Et j'aimerais aussi que toi, tu sois aussi libre financièrement. Et du coup, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à ne plus faire, tu vois. Et lui, il avait déjà acheté sa maison. Ben, moi, j'étais en cours d'acheter ma maison, mais. Vu qu'il a été intégré le programme, j'ai arrêté ça direct là, tu vois. Direct, direct, j'ai arrêté. Lui, il avait déjà fait son acquisition, mais il a dit il va le vendre plus tard et acheter des biens, peut-être se désendetter, tu vois, et peut-être relancer dans l'immobilier. C'était par rapport au conseil que moi je lui avais donné parce que j'ai beaucoup appris avec Global Invest. Et par rapport aux stratégies, quand je lui disais, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, il y a des trucs à faire. Les banques ne prêtent pas aux pauvres, là. Les banques aiment prêter l'argent aux pauvres pour qu'ils aient des passifs, là, tu vois. Donc, les voitures, tout ça, c'est bien beau, mais
tu seras toujours esclave, tu vois, des trucs comme ça. Et ce que je pourrais dire maintenant à une personne qui veut faire ça avec Global Invest, déjà, de mon côté, quand je me vois aujourd'hui, je suis très content de moi par rapport à ce que j'ai appris à Global Invest. Et j'aimerais dire à cette personne qu'il faut qu'il oublie ses croyances limitantes, là, parce que c'est vrai que de nos jours, on aime bien suivre le groupe, là, tu vois. Tout ce que les autres font, là, on aime bien suivre ça. Essaye un peu de prendre le chemin inverse. Si d'autres font ça, ne fais pas ça. Tourne-toi, fais l'inverse. Tu verras les résultats et tu verras que tu seras même plus bien par rapport aux autres. Même psychologiquement, là, ça sera différent. Donc, et dans ce pays-ci, si tu veux vraiment être libre financièrement, ce n'est que l'immobilier, là. Et en plus, c'est un pays qui valorise les investisseurs. Donc, quand tu veux t'investir là, les banques sont là. Il suffit seulement que tu aies un bon dossier, là. Tu aies un bon dossier et ça se travaille avec Global Invest. Donc, tu as un bon dossier, tu peux te faire 3, 4, 5 immeubles, là. Ça dépend de comment tu vas gérer ça. Donc, déjà, Global Invest montre comment le faire. Donc, dans tous les cas, moi, déjà, de mon côté, moi, dans ma tête, là, tout est là, là, tout est là. Quand je cause avec mon ami, il me dit, gars, il m'a dit, non, mais t'as changé, là. Je dis, ben oui, j'ai changé. J'ai changé. C'est ça. Ah, Ça fait peut-être. C'est hier que je lui ai dit, gars, j'ai eu 25 000 à Scotia. Il dit, gars, mais t'es trop fort. Mais j'ai vu, c'est ça. C'est pas 25 000 que je vais prendre pour manger. Hein. C'est pas pour moi, c'est pour acheter des légumes avec. Donc, c'est ça. Et à Global excellent. Invest, on apprend à avoir ce financement créatif-là. On apprend à avoir ce mindset que j'ai actuellement là. Parce que le tout, c'est d'avoir le mindset. Quand tu as le mindset, la stratégie suit après seulement, ça suit son cours. C'est Nos tout. limites, clairement. Oui. Non. Franchement, merci. Merci franchement pour ton retour d'expérience. Je suis sûr, honnêtement, ça va inspirer énormément de personnes. Et tu l'as déjà commencé de par, enfin, tu sais, deux personnes qui ont rejoint le programme grâce à toi et qui ont également eu des résultats très satisfaisants. Tu vois très bien de qui je parle, mais franchement, je te remercie beaucoup et je te félicite aussi pour tes résultats. Et c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir accompagné. Et, de toute façon, aujourd'hui, tu es membre à part entière du réseau. On va être mené à être partenaire, comme tu le sais. Et franchement, Gino, c'est un exemple parmi tant d'autres qui ont eu des résultats et qui ont cru en eux, ont cru en nous. Et pour ça, je te remercie. Je te remercie jamais assez pour nous avoir fait confiance, surtout dans une période difficile comme celle qu'on vit actuellement. J'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo, peut-être dans plusieurs années, les choses seront allées mieux. Mais sachez que pendant cette période, il y a eu des personnes qui ont cru en elles, cru en nous, on a cru comment dire, conjointement en nous, mutuellement, et qui finalement sont passées à l'action. Et qui, malgré cette période de crise, ont pu obtenir des résultats. Donc, clairement, c'est. Je te coupe pas, mais sans oublier que dans le programme aussi, par rapport à ce que j'avais appris au départ là, par rapport à ton start-up là, j'ai fait part de ça à deux proches aussi par la suite, ils se sont engagés là Ah dans la formation. oui, et en plus, Donc, c'est ça, ils ont eu des résultats aussi, tu vois. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont eu Donc, des résultats, donc c'est d'une pierre trois coups, comme on dit. Non, clairement, c'est et ça. c'est ça, c'est franchement, je te remercie beaucoup par rapport à ça, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je pars à cœur ouvert, tu vois. Je ne suis pas du genre à faire le. Voilà, c'est que Juno, il a parlé de nos services à des personnes qui ont eu des résultats et qui vont certainement également témoigner par rapport à ça et qui le confirmeront. Et franchement, je te remercierai jamais assez par rapport à ça. Et pour moi, tu restes un partenaire, un homme de combat, comme on dit chez nous, un homme du terrain. Et quoi qu'il arrive, sache qu'on est toujours là et qu'on sera toujours là vraiment pour t'aider, à devenir un investisseur haut rendement, comme j'aime dire quoi. Haut rendement pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un. C'est pas forcément du cash. C'est vraiment quelqu'un qui fait un saut quantique par rapport à la personne qu'elle est actuellement, c'est-à-dire d'un point A à un point B, qui déchiffre au niveau du mindset via les stratégies, comme tu le dis, ça se transforme en résultat d'un point de vue financier et d'un point de vue personnel et surtout d'impact. Parce que ce que tu crées aujourd'hui, voilà, je sais que tu es père de famille,
ça aura un impact également sur les générations qui te suivent encore et encore derrière. Et ça, tu le sais très bien par rapport aux stratégies qu'on a parlé. Mais ça, de toute façon, ce sera aux personnes qui auront la Oui, chance de faire comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Doubler le patrimoine de façon intergénérationnelle, ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est vraiment l'objectif. C'est juste que nous, on n'est pas là juste pour acheter. Acheter une propriété, c'est le step up, c'est-à-dire c'est le premier pas. Mais nous, ce qu'on veut créer, c'est vraiment ce patrimoine familial qui va se transmettre de génération en génération. C'est ça. C'est que les empires ne se sont pas bâtis comme ça du jour au lendemain. C'est des actions, des stratégies qui ont été partagées et des stratégies qui fonctionnent. Et c'est ça qui fait vraiment des fortunes, comment dire, je ne veux pas dire des dynasties, mais clairement, c'est ça, en fait, vraiment des fortunes que tu peux dire que non, là, demain, on pourra dire que mon arrière-grand-père a fait quelque chose de solide. Ben oui, ça c'est Et c'est sûr, c'est ça, sûr. on part tous les deux, on vient de loin, on vient du Cameroun, on vient de très loin, on sait d'où on vient, on sait ce pourquoi on est parti à l'étranger, c'est pas, on n'est pas là pour rigoler. Et c'est vraiment ça. Donc, moi, je suis persuadé que vraiment, et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Et je le dis vraiment, voilà, vraiment Merci, du plus merci. profond de moi-même. Et je sais que, de toute façon, on aura de tes nouvelles. C'est-à-dire, on aura des échos de dire que, voilà, on sait que Juno a acheté deux immeubles là. Je me dis, OK, là, c'est un global investisseur, comme on dit. Ça ne me surprendra même pas. Je vais juste dire que ça ne me surprendra pas. Ça vient de la maison, comme on dit. Claire, 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 claire. Clairement, clairement. En tout cas, merci beaucoup, Dino. Je te remercie énormément de tout Ah, cœur d'ailleurs, et moi, je te remercie aussi. je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la réussite. Franchement, n'hésitez pas à partager cette interview à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'hésitez pas également à contacter Dino. On mettra ses contacts également si vous voulez avoir son retour d'expérience plus personnalisé. N'hésitez pas à le contacter. Et voilà, Dino est membre du groupe Global Investisseur, Global Investisseur également, membre du programme Gold. Et voilà, on lui souhaite que le meilleur pour la suite. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. C'était Florent de Global Investisseur et Juno, Global Investisseur également. On vous souhaite à toutes et à tous tout le meilleur pour votre réussite. À très bientôt. Ciao, ciao.